Ce n'est plus une blague. Après avoir retiré l'organisation de la CAN 2022 au Cameroun, la CAF a déjà annoncé un plan B pour écarter le Cameroun de l'organisation de la CAN 2021 pour la refiler à l'Algérie. Le ministre du Sport algérien le confirme dans les divers médias. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Bon visionnage. À 6 mois de l'échéance, pour la livraison des infrastructures de la CAN 2021, les travaux du stade Paul Biya de l'Imbé, qui devrait accueillir la cérémonie d'inauguration et de la finale, sont à l'arrêt à cause des arriérés de salaire des ouvriers. L'État camerounais est à la recherche d'un prêt d'ordre de 24 milliards. Le site de Garoua n'avance pas, sans compter les infrastructures routières et sanitaires qui devraient être de lourds investissements. La situation de sécurité à Limbé, qui se situe dans le conflit, la zone du conflit en Gouvoune, n'est guère rassurante. Selon le cahier de charges de la CAF, il faut en plus des stades réunir les conditions d'hébergement et de déplacement des supporters. Or, il n'y a que 2 hôtels sur 4 sur 8 exigés par la CAF. Sur 228 km d'autoroute qui devait relier Yaoundé à Bafoussam, il n'y a que 11 qui ont été construits. Sur 230 km d'autoroute qui devait relier Yaoundé à Douala, seuls 30 km ont été réalisés en 6 ans. Par quelle magie l'État camerounais va donc réussir à finir en moins d'un an plusieurs de certains kilomètres d'autoroute? Et il faudrait d'abord déraciner de gros arbres et bâtir plusieurs ponts. Comment vont se déplacer les supporters ici de divers pays quand on ne parvient pas déjà à faire 1 km ou Douala, où il faut faire des heures pour parcourir un 5 km en voiture? Il a été demandé à l'Algérie de se préparer en cas de retrait de la CAN 2021 au Cameroun. Nous espérons qu'elle se fasse là-bas, a indiqué Bendaoui. Il a poursuivi son propos en soulignant les autorités publiques ont donné un accord à la Fédération algérienne de football pour se présenter au cas où le Cameroun n'y arriverait pas. Nous avons les moyens pour l'organisation de la CAN. Il y a des stades prêts. Nous avons vu en Égypte, ils ont remis à niveau le stade en seulement 6 mois. En réalité, la CAF est déjà en train de préparer son opinion sur le retrait de la CAN 2021 au Cameroun, qui a été acté. Il n'y a qu'à se rendre à Bafoussam pour comprendre qu'il faut un miracle pour construire des infrastructures routières en 6 mois. La ministre de l'Urbanisme est revenue en pleurant après avoir vu l'état de délabrement des structures d'accueil. Le stade qu'on disait achevé ressemble à un champ de friches. À quel moment la CAF va-t-elle tester les infrastructures lorsqu'on sait que le Cameroun est même en train de négocier pour repousser l'organisation du Ghana 2020?